Le SNU, Service National Universel, est un système inventé par Macron pour, si ça marche, parce que ce n'est pas encore gagné pour eux, embrigader 800 000 jeunes par an qui auraient 16 ans, donc c'est garçons, filles, apprentis et lycéens, pour deux types de séjours. Un premier séjour sous tutelle de l'armée, et puis un deuxième dit d'engagement dans une association, mais pour l'instant, ceux dans les fast tests, ça a surtout été la gendarmerie, la police et l'armée. L'idée étant d'embarquer un peu contraint forcé des adolescents donc, de cet âge-là et de leur inculquer les valeurs sur la défense, la nation. Il y a tout un tas de programmes. Pour l'instant, il y a eu deux phases test, deux années test. Première sur très peu de départements et puis l'année dernière sur un peu plus, où ils ont facilement, enfin, pas si facilement que ça d'ailleurs, trouvé les candidats, puisqu'ils ont puisé sur les fils de militaires, les fils de gendarmes, les fils de flics, mmh. Et puis ceux qui font des formations à la sécurité pour devenir vigile ou etc. Mmh. Donc ils étaient un peu directement intéressés à là-dessus. Mais cette année, ils espéraient 25 000, ils ont ramé et ils ont eu que, on ne sait pas, entre 15 000 et 18 000 qui volontaires. Le système repose sur une sorte de tripode de militaires qui vont encadrer donc le port de l'uniforme, tout ça, d'enseignants volontaires et aussi d'animateurs de mouvements d'éducation populaire qui vont un peu, c'est un peu l'alibi, donc on va faire une balade nature, quelques jeux sur la citoyenneté, etc. pour pas avoir l'air d'avoir remis tout le monde à la caserne. En gros, ça remplacerait ce qui est aujourd'hui la JDC, la JAPD qui dure une seule journée pour le coup. Qui dure une seule journée, voilà, tandis que là, ça serait un système de 15 jours et un deuxième 15 jours avec un truc un peu coercitif. C'est un peu comme l'histoire du pass sanitaire, c'est-à-dire que si des jeunes refusaient de le faire, ils ne peuvent pas passer le bac, ils ne peuvent pas passer le permis de conduire, ils ne peuvent pas passer un concours de l'administration, voilà. Ce qu'il y a déjà un peu avec le JAPD. Oui. Comment ça se place par rapport à ce qui était à l'époque, le service militaire? C'est une sorte d'un proto-service militaire comme il y avait à l'époque, ou c'est encore un autre système, peut-être un peu moins militarisé ou... Le système militaire de l'époque, c'était que les hommes. Oui. Et c'était un an, avec quand même un système qui n'existe pas, c'était l'objection de conscience. Voilà. Après, il y a d'autres qui sont l'insoumission, la désertion, etc. Là, la différence, c'est que on prend des gens beaucoup plus jeunes, donc plus malléables. À 16 ans, c'est pas 18 ou quand on était sur Citer, c'était 22 ans. Le fait d'avoir des garçons et des filles, ça paraît aussi plus juste, plus équitable, tout en vantant l'idée que c'est un moment de brassage et qu'on va rencontrer des gens. Mais on n'a pas besoin d'aller là pour rencontrer des gens, hein. Il suffit de discuter avec des gens dans la rue. Bon, bref. Et du coup, votre collectif, qu'est-ce que vous dénoncez là-dedans ? Nous, on dénonce l'embrigadement de la jeunesse, la militarisation de la société, c'est-à-dire cette tutelle de militaires, et le fait qu'on va prendre des gens le plus jeune possible et leur rendre obligatoire quelque chose qui n'a pas lieu d'être, puisque les citoyens n'ont pas besoin de passer sous la coupe des militaires à un moment donné de leur vie, quoi. C'est pas ça le but de la société. Et à vos yeux, est-ce que ça dit quelque chose de la situation aujourd'hui en France, cette volonté militariste, un peu va-t-en-guerre peut-être ?
Alors, il y a effectivement, on est dans une... dans un pays qui ne dit pas qu'il est en guerre, mais qu'il l'est quand même, hein. Il est en guerre à l'étranger, en Afrique subsaharienne notamment, des opérations militaires, il y en a tout le temps. L'idée de Macron, c'est quand même de aussi renforcer l'intériorisation de la nation. Donc, déjà, ça peut être contestable. Et puis, de discipliner, de passer à un truc obligatoire, discipliné, qui, quand c'est pris le plus tôt possible, a plus de chances d'arriver que d'avoir des rebelles à 18 ans qui disent « fuck ton truc, ça ne nous intéresse pas du tout ». Très bien. Et où est-ce qu'on peut suivre votre actualité, vos actions ? Alors on a un compte Facebook, là, c'est en train de monter en puissance, donc on va organiser des réunions publiques. Là. Il y en a bientôt une qui arrive. Et puis, donc on s'est allié avec d'autres gens, la Libre Pensée, d'autres mouvements. Voilà, on est dans la phase de refus et d'information. On a déjà fait de la diffusion de tracts devant des salons d'orientation de la jeunesse, là, Studirama, Salon de l'étudiant, etc. Ou les moments où on s'inquiète un peu de ce qu'on va faire de sa vie. Et puis c'était un endroit de rassemblement. Donc voilà, on a fait ça, entre autres. Et la fille du roi, trop pauvre à marier, fille de Courage des Bois et de Contoin Bordier, enfant de cette nation et fille d'aventurière. Métisse et sans mêler, bien qu'on me l'ait caché, c'est un sujet de honte, j'en ferai ma fierté.